tellement de comprendre tout ça à partir de l'univers. On parle d'horizon, par exemple. On dit que pour l'instant, ça peut changer. Pierre, toi. En fait, sa thèse, il a fait pratiquement tout ça. Oui, Marie-Odile, vous êtes une enfant de l'énergie du vide. C'est une grande nouvelle. Non. C'est pas tellement. Je pense qu'on aggrave ça à partir de hauteur de l'air, tout ça à partir. Je me rappelle très bien quand j'ai vu les premières mains. On avait en commun, disons, d'avoir ce que j'appelle moi des angoisses jubilatoires. C'est repéré, la mentionnée têteuse de la Voie lactée. Plein quelques constellations, identifier le résultat et deviner un fondement de lumière. C'est ça qui nous réconcilie avec l'infini. Plutôt l'inverse, c'est plutôt autre chose. Proprement, détecter dans une manière rationnelle, plutôt l'inverse, c'est autre chose. Il savait, il avait une préscience, il savait où. Comment dire, en physique, il était à plusieurs dimensions. Comme s'il essayait de voler très, très haut. Jean Telrand.